Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube MathEDI. Donc, je démarre une série de vidéos sur les suites numériques. Donc, dans la première partie, nous allons voir la définition d'une suite numérique. Qu'est-ce qu'une suite numérique? Et nous allons voir les deux exemples qui nous permettent d'obtenir des suites numériques. La définition d'une suite de manière récurrente et la définition d'une suite de manière explicite. Nous allons voir les deux exemples. Et pour chaque exemple, nous allons donner des exemples de suite aussi. Dans la deuxième partie, nous allons voir le raisonnement par récurrence, ses principes et son fonctionnement. Comment fonctionne le raisonnement par récurrence, étape après étape? Et nous allons voir des exemples de raisonnement par récurrence. Dans la troisième partie, nous allons voir les variations d'une suite numérique. Les mathématiciens ont étudié les suites et ils les ont catégorisées par rapport à leurs variations. Et ils ont déterminé trois catégories. La catégorie des suites croissantes, la catégorie des suites décroissantes et les autres, les suites qui ne sont ni croissantes ni décroissantes. Nous allons en donner des exemples. Donc, retenez bien pour le moment que les suites qui sont croissantes ou décroissantes sont appelées des suites monotones. Dans la quatrième partie, nous allons voir les suites minorées, les suites majorées et les suites bornées. Donc, qu'est-ce qu'une suite minorée? Qu'est-ce qu'une suite majorée? Et qu'est-ce qu'une suite bornée? Et comment prouve-t-on tout cela? Dans la cinquième partie, nous allons parler de convergence. Nous allons voir ce qu'est la convergence et les critères de convergence d'une suite. Et donc, on va en déduire les suites qui sont convergentes et toute suite qui n'est pas convergente est une suite qui est divergente. Dans la sixième partie, nous allons parler des limites. Donc ici, nous allons distinguer trois cas. Le cas où, quand on calcule la limite de la suite, on trouve un réel L. Le cas où, quand on calcule la limite de la suite, on trouve moins l'infini. Et le cas où, quand on calcule la limite de la suite, on trouve plus infini. Quant au premier cas, on va dire que on a trouvé un réel L et donc la suite est convergente et elle converge vers ce réel. Donc, calculer la limite d'une suite et trouver un réel L signifie que notre suite est convergente. Donc, il y a ici une relation entre la convergence et la notion de limite. Donc, pour les deux autres cas, on va dire que notre suite diverge. Elle ne converge pas, par conséquent, elle diverge. Et dans la septième partie, nous allons voir deux catégories de suites, les suites arithmétiques et les suites géométriques. Donc, voilà le programme. Allumez votre cerveau et rendez-vous sur votre chaîne YouTube. MathEDI. Merci et à très bientôt. Dans Math, il dit les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez.